Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette conférence sur les données naturalistes franciliennes. Donc moi, je suis Ophélie Ricci, je suis chargée de mission naturaliste à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, notamment en charge de l'animation de la base de données régionale et du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, dont on parlera plus tard. Et donc, on va vous faire une conférence à quatre voix. Pour du coup vous montrer les outils pour collecter et valoriser les données naturalistes franciliennes et leur intérêt pour la protection de la biodiversité. Donc, on aura également l'intervention de Xavier Jaffiot de la ville de Paris et de Sylvie Van den Brick et Lucien Clévaz de l'association des amis naturalistes des Coteaux d'Avron. Donc, je commence dès à présent. On va se demander ensemble avec vous qu'est-ce qu'une donnée naturaliste? Donc pour la majeure partie des données naturalistes, on va sur le terrain pour faire des observations de la faune, de la flore, de champignons, etc. Et on va collecter à minima quatre informations obligatoires, à savoir le taxon observé, donc nom de l'espèce, de la sous-espèce, du genre si on n'a pas réussi à déterminer l'espèce, de la famille, etc. Mais plus on remonte haut dans la classification, moins la donnée sera qualitative. On va indiquer évidemment le lieu où on a fait l'observation. On va noter la date d'observation et évidemment notre nom d'observateur ou d'observatrice. Donc voilà, c'est les informations minimales, mais pour que la donnée soit plus qualitative, d'autres informations sont très importantes et lui permettent d'être plus facilement utilisées et valorisées par la suite. C'est notamment, on peut indiquer le. Oui. Ellie, excuse-moi, je me permets de t'interrompre. On n'a pas expliqué les outils aux participants. Ils ont un Ah, clé en pardon, ligne effectivement, alors, et un désolée, chat à leur justement, disposition pour j'ai te poser des embrayé directement. Pardon, Marjo. Alors oui, effectivement, j'ai oublié de vous expliquer l'utilisation de l'outil BlueJeans. J'étais très pressée de commencer. Donc, il y a deux outils pour vous pour interagir dans l'outil. Il y a donc vous avez des icônes sur la gauche de votre sur la droite de votre écran, excusez-moi. Donc, il y a une icône Q&A, c'est pour question-réponse, question and answer. Et donc, en fait, ça vous permet de poser des questions tout au long de la présentation. C'est bien de les poser ici parce que ça nous permet vraiment de les gérer plus facilement. Et après, donc, vous avez un outil de chat, donc avec, il faut cliquer sur l'icône bulle, qui vous permet vraiment de discuter et de créer du lien pendant la conférence avec les autres participants. Donc, pour les questions, vous pouvez les poser tout du long. Certaines pourront être répondues par mon collègue Mustapha Takaort, qui est présent aussi ici ce soir. Et on pourra aussi, donc on va les collecter au fur et à mesure, et celles qui n'auront pas été répondues pendant la conférence par Mustapha, donc on nous les posera à la fin, et n'hésitez pas également, voilà, nous les poser aussi à la fin de la conférence. Vous avez également une fonctionnalité de priorisation de l'écran en bas, donc ça c'est en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez soit prioriser la vidéo. Donc des présentateurs ou prioriser leur diaporama. Donc voilà, si vous voulez voir le diaporama en plus gros, il suffit avec le curseur voilà, le faire shifter, le prioriser sur le diaporama. Voilà du coup pour les explications de fonctionnalités qui sont effectivement importantes pour que vous puissiez profiter de cette conférence dans son entier. Donc je continue sur mes données naturalistes et sur ma définition. Donc pour qu'une donnée naturaliste soit la plus qualitative possible, c'est bien d'indiquer également le nombre d'individus observés, le stade de vie, le sexe, le comportement, l'état biologique, donc si l'individu est mort ou vivant, son statut biologique, s'il est en mode de reproduction, en hibernation, etc. Et également d'indiquer les techniques d'observation, les conditions météorologiques. Il y avait d'autres personnes qui ont fait l'observation avec vous au même moment. Et également, c'est bien d'adjoindre photos, son, vidéo à son observation pour faciliter la validation. On va également faire le distinguo entre deux types de données, donc les données opportunistes et les données protocolées. Donc la donnée opportuniste, c'est une donnée qui est collectée sans suivre un protocole scientifique dédié et qui est souvent sans autre information connexe que celle directement liée à l'observation. Donc la présence est avérée, mais on n'a pas d'informations sur l'effort de collecte ou sur les potentielles recherches infructueuses, et on ne peut donc rien conclure sur les absences sur le reste du territoire. La répartition d'une espèce peut donc soit indiquer une réelle absence, soit simplement indiquer qu'aucune information n'est connue dans cette zone à ce jour. Donc a contrario, la donnée protocolée, c'est une donnée collectée en s'appuyant sur un protocole d'inventaire et de suivi.
C'est une donnée donc dont la stratégie d'échantillonnage, l'effort et les conditions de collecte sont connues, donc une donnée standardisée. Et donc cette donnée est comparable à toutes les autres relevant du même protocole et on peut en inférer beaucoup plus facilement des conclusions sur la biologie des espèces. Donc l'idée là, c'était de vous montrer un exemple d'outil de gestion et de restitution des données naturalistes. Et donc on n'a pas été chercher bien loin, puisque du coup on va vous parler un petit peu de la base de données participative GéoNature de France. Donc auparavant, c'était une base de données, donc la base de données régionale Île-de-France, une base de données qui était dépendante de l'outil CETIA Île-de-France, et on a migré cette base de données dans l'outil GéoNature en décembre dernier. Et donc quand on regarde l'évolution du nombre de données et de taxons dans donc CETIA Île-de-France, GéoNature Île-de-France, on s'aperçoit que donc en gros, on a tous les ans 150 000 données saisies environ par an par donc des structures, des naturalistes indépendants, etc. On y reviendra après. Et environ 650 000 données importées par des personnes ou des structures qui ne saisissent pas directement dans l'outil CETIA ou dans l'outil GéoNature et qui nous transmettent leurs données. Donc globalement, c'est principalement en majorité des données opportunistes qui sont saisies dans cette base. Et donc on s'aperçoit si on regarde le nombre de taxons qu'à partir de 2015, on a en moyenne entre 5 000 et 6 000 taxons recensés chaque année. Si on regarde la répartition des données en fonction des groupes taxonomiques, on voit qu'il y a une prépondérance des données oiseaux avec 46% des données de la base, suivie ensuite par les plantes avec 24%. Suivi par les insectes avec 22% et voilà les autres groupes taxonomiques. Donc ça montre l'appétence particulière pour les oiseaux au moment du lancement de la base qui a eu lieu en 2014 et encore aujourd'hui, mais cela a tendance à s'équilibrer lentement au fil des années avec de plus en plus de données sur les autres groupes. On vous a fait le top 3, toutes espèces confondues, des espèces rassemblant le plus de données dans la base et en fait, du coup, ce top 3 est finalement un top 3 oiseaux. Puisque voilà, on a le merle noir qui a le plus de données dans la base, le pigeon ramier, puis la mésange charbonnière. Donc c'est étant donné la répartition des données dans la base qu'on a vu précédemment, c'est assez normal de retrouver trois oiseaux dans ce top. Et puis évidemment, ce sont des espèces très communes, bien réparties sur la région, et visibles dans tous les milieux, notamment en ville, et faciles à identifier au premier coup d'œil. Et donc, si on enlève les données oiseaux de cette analyse, ce sont la pipistrelle commune, le crapaud commun et la pierrite de l'Arrave qui sont plus représentées dans la base. Donc, la pipistrelle, donc une espèce, donc c'est majoritairement des données acoustiques. Et en fait, on s'aperçoit que la pipistrelle, c'est 60% des données chauves-souris de la base. Et on sait également, on en parlera plus tard, qu'il y a un large réseau de bénévoles et de structures qui enregistrent les émissions ultrasonores pour inventorier les chauves-souris, d'où du coup un grand nombre de données sur la pipistrelle commune. Pour le crapaud commun, en fait, on a sur cette espèce notamment des enjeux lors de leur migration nuptiale. Ils vont, pour se reproduire, souvent traverser des routes pour aller pondre et se reproduire au niveau donc bah, des mares, etc. Et donc, on va avoir de bon nombre de structures qui vont mettre en place des dispositifs de ramassage d'amphibiens. Et voilà, ça va permettre d'avoir beaucoup de données de crapauds qui vont remonter dans la base. Pour la pierrite de l'Arrave, c'est donc un papillon de jour sans doute le plus commun de France et qui était jusqu'à peu facile à discriminer des autres pierrites en Île-de-France. Donc attention sur cette espèce, il y a depuis peu l'arrivée d'une espèce de pierrite de répartition normalement plus méridionale, donc la pierrite de Libérite, qui, à la faveur du réchauffement climatique, remonte et qui est maintenant présente en Île-de-France et pour laquelle maintenant, pour discriminer entre pierrite de l'Arrave et pierrite de Libéride, il faut la capture pour les séparer dans des milieux tels que les prairies et pelouses sèches du sud-est de la région fréquentées par la pierrite de Libéride. Si on regarde la répartition du nombre d'observations par département, on voit qu'il y a quand même bon nombre de données sur la Seine-et-Marne pour 42%. Donc d'abord, c'est un département très étendu avec beaucoup de structures naturalistes. Et donc de naturalistes aussi très actifs. Et donc il faut savoir que l'outil de saisie régionale à la base, donc CETIA, lancé en 2014, était un outil utilisé par le département de la Seine-et-Marne. Donc déjà des données, pas mal de données saisies dedans avant qu'il se régionalise. Et quand on regarde du coup les communes avec le plus de données, donc c'est logiquement trois communes seine-et-marnaises. Donc la commune de Congis-sur-Thérouanne qui est du coup au nord-est de la région.
Donc voilà, c'est les trois communes dont on parle, là, elles s'allument en vert kaki sur la carte. Donc on juste tout en haut à droite de la carte. Donc c'est une commune où se situe la réserve naturelle du Grand Voyeux, qui est une réserve très suivie. On a également la commune de Fontainebleau, qui est évidemment un territoire très étendu, avec une forêt très riche en milieu en espèces et de nombreux périmètres de protection. Et la commune de Montigny-sur-Loing, qui est du coup une commune juste au sud-est de Fontainebleau, accolée à Fontainebleau, et qui héberge l'espace naturel sensible de la plaine de Sorgues, qui est un ENS très riche en milieu et qui est largement prospecté. Et il y a également du coup en vert kaki à l'ouest de Paris. Donc finalement, c'est le 16e arrondissement avec le bois de Boulogne, où du coup il y a une prospection aussi assez importante. Si on regarde l'origine des données, donc c'est assez intéressant, on pourrait se dire que dans un outil régional, donc porté par une région, une ARB, on va avoir plus de données, une majorité de données fournies par une structure, mais en fait, ce n'est pas totalement le cas, puisque on a 50, enfin à peu près moitié-moitié, de données fournies par des structures et de données fournies par des naturalistes particuliers, donc qui font ça sur leur propre temps. Et voilà, quand on regarde les structures qui, elles, saisissent le plus dans la base, c'est, voilà, on a par exemple deux associations, Nature Essonne et l'Association des naturalistes de la vallée du Loing et le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse. Si on regarde pour les observateurs, donc on a sur les observateurs qui font monter le plus d'observations, deux naturalistes indépendants, donc Julien Bottinelli, qui est un super naturaliste généraliste et qui fait remonter beaucoup de données et qui a vu du coup le plus grand nombre de taxons, voilà, avec 4317 taxons recensés et donc saisis sous cette Île-de-France, Géonat Île-de-France, et Christian Letourneau, qui est un ornitho, qui saisit dans une autre base qui s'appelle Faune Île-de-France, mais qui nous fournit des imports de, enfin des exports de ces données, et donc on le remercie grandement. Donc voilà pour ce point rapide de ce qu'il peut y avoir dans une base de données régionale. Et donc cette base de données dont je viens de vous parler gravite dans une constellation d'autres bases qui partagent les données entre elles via un dispositif national nommé le SINP, Système d'information d'inventaire du patrimoine naturel, afin que les données puissent servir au plus grand nombre. Donc le SINP, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un réseau d'acteurs qui mettent en partage l'information naturaliste qu'ils détiennent selon un ensemble de méthodes et de règles communes, avec pour objectif premier de structurer les connaissances sur la biodiversité, donc sur les espèces, sur les habitats et également sur la géologie. Donc les connaissances ainsi partagées doivent notamment permettre l'élaboration et le suivi des politiques publiques, de faciliter la prise de décision dans un cadre démocratique et de permettre la mise à disposition des citoyens d'informations suffisantes pour permettre le débat public. Donc c'est un dispositif national qui s'appuie notamment sur des déclinaisons régionales qui s'appellent plateformes régionales. Donc pour que vous compreniez bien à quoi correspond pratiquement le SINP, nous allons remonter du niveau local vers l'international. Donc déjà, on a un socle d'acteurs locaux de producteurs de données qui vont acquérir et produire des données pour répondre à leurs propres besoins, donc études, projets, inventaires personnels, etc. Donc il peut s'agir de données de terrain, de données de littérature, de données de collection, de données opportunistes protocolées, de données financées sur des fonds publics, sur des fonds privés ou des données bénévoles. Et donc ces producteurs de données, on va avoir des structures publiques, des structures privées, des particuliers. Et là, je vous ai mis tout un ensemble de logos, de structures. Donc en fait, c'est les structures qui participent au comité de coordination du SINP Île-de-France et de la base de données régionale. Et donc, il y en a évidemment plein d'autres et on ne pouvait pas mettre tous les logos. Et là, l'idée, hop, c'est que parmi ces structures, on a la ville de Paris qui utilise cette Île-de-France, Géonat Île-de-France pour saisir leurs données. Et donc l'idée, c'est qu'on les a invités pour qu'ils nous expliquent comment la base de données régionale facilite leur travail en termes de collecte de données, mais également en termes de planification et de valorisation, pardon. Je donne donc maintenant la parole à Xavier Japiot, expert biodiversité chargé d'études faunistiques à l'Agence d'écologie urbaine de la ville de Paris. Donc je vais départager mon diaporama. Hop. Je reviens sur la fenêtre Blue Jean. Nickel. Merci Ophélie. Tu m'entends? Tu vois le PowerPoint? C'est bon? Tout le Nickel. monde? Nickel? Ok, je te remercie. Donc bonjour à tous. Merci à Marjorie Millès et Ophélie Ricci d'avoir pensé à la ville de Paris pour intervenir sur ces sujets, parce qu'en effet, c'est un sujet qui nous tient très à cœur pour connaître bien le territoire de Paris, qui ne se limite pas seulement au périphérique et à ses deux bois, comme vous allez le voir.
Voilà, donc je vais aborder différents sujets. Que sont la collecte des données, mais également la planification de ces collectes, et enfin, pour finir, la valorisation de ces données. J'ai vu avec Ophélie ce qu'était une donnée, donc je n'y reviens pas. Donc, tout d'abord, collecter des données. Alors, qui, quoi, où? Parce qu'en effet, ça ne s'improvise pas. Alors déjà, qui? Ben, notamment nous, Ville de Paris. Ville de Paris, c'est quelque chose d'énorme, hein. C'est 50 000, 60 000 personnes, j'ai oublié les vacataires. 28 directions, dont la direction des espaces verts dans laquelle nous sommes, au sein de l'Agence d'écologie urbaine, du Gendarme de la biodiversité. Donc nous, on récolte en effet des données sous différentes anciennes appellations depuis 1989. On travaille également avec des bureaux d'études, parce qu'on peut pas être partout sur le terrain par définition, c'est extrêmement vaste. Et en plus, en fonction des différents taxons, c'est-à-dire différents groupes d'espèces sur lesquels on travaille, on a besoin d'avis extérieurs du bureau d'études mandaté, qui est un office génie écologique, biotope, etc., un très grand nombre d'écosphères, etc. On passe également par tous nos agents, quelle que soit leur direction, qu'ils soient des espaces verts, de la voirie, jeunesse et sport, urbanisme ou autres. Et également les citoyens, qu'ils soient parisiens ou pas, qui observent sur le territoire parisien des espèces intéressantes. Voilà, donc extrêmement important. Et on travaille sur trois ensembles de taxons, que sont la fonge, lichens et champignons pour les moins habitués, on a un très grand nombre d'espèces, la flore, qu'elle soit herbacée, arbustive, arborescente ou lianescente, et la faune. Sauvage, bien entendu, même s'il y a forcément des espèces qui s'échappent. Voilà. Sur tout le territoire parisien, alors, on ne se limite pas, comme je dis, qu'à Paris intramuros, on a également les bois de Vincennes, bois de Boulogne. On a, sur les 20 cimetières, nous en avons 6 extramuros. Nous avons également des parcelles en différents endroits de l'Île-de-France, notamment, on en a à Fontainebleau, on en a à la Salle Saint-Cloud, sous le nom de forêt de Beauregard. Voilà, donc toutes ces données, toutes ces données de ces différents sites vont permettre de nous pouvoir engranger des informations. La diapo d'après, donc, il n'y avait pas toutes ces bases de données quand on a commencé il y a près de 30 ans. Moi, ça fait 32 ans que je travaille à Ville de Paris sur ces sujets notamment. Donc, c'était des tableaux Excel, des versions papier, Word, etc. Donc, tout ça était dans des carnets ou des feuilles volantes. C'est quand même dommage de ne pas avoir l'occasion de les rassembler. Donc, on l'a fait petit à petit. On a lancé différents inventaires en interne. On a dû scanner par la suite. Et on s'est rapproché de l'Agence régionale de la biodiversité, anciennement Nature Paris à l'époque, via la base Serena de 2010 à 2015. Et comme l'a dit Ophélie, ça a évolué, pardon. Il y a eu la base CETIA, hein, qui a évolué en deux versions de 2016 à 2021. Et maintenant, Géonature, sur laquelle on vient de passer. Sur la diapo suivante, donc des données Made in Paris. Bah oui, on essaie de valoriser en interne, de faire comprendre qu'une donnée, c'est extrêmement important, que ce soit en termes d'espèces, en termes de lieux, en termes d'observateurs, en termes de pression d'observation, en termes de connaissance des différents taxons, différents groupes d'espèces. Voilà, donc on a à peu près 65 000 données Made in Mairie de Paris, si j'ose dire, hein. On est donc des contributeurs avec lesquels on. Avec qui on partage, forcément nous sommes en open data, on apprend de chacun, c'est extrêmement important, donc de chacun d'entre vous qui suivez cette soirée. Et on a plus de 160 contributeurs qui nous ont apporté ces différentes informations, et l'essentiel de la ville de Paris, que ce soit les agents jardiniers, forestiers, etc. Vous avez sur les illustrations que j'ai mises notamment, on a la petite ceinture ferroviaire qui fait le tour de Paris sur quarantaine d'hectares et 24 km. Sur 36 d'origine, donc là on travaille avec le paysage et de l'aménagement, pardon. On travaille également avec des chantiers d'insertion environnementaux, ils sont au nombre de 4, là c'est Espace, qui travaille très très bien. En haut à droite, là où il y a un inventaire qu'on fait sur certains de nos hippodromes, nous en avons 3, ça c'est celui de Longchamp. On fait également des inventaires nocturnes, il y en a encore un la semaine dernière sur les renards dans le bois de Vincennes, on fait des itinéraires. Des transectes hein, de près de 3 heures de nuit, etc. On fait des inventaires chauves-souris, des inventaires amphibiens, forcément, etc. Toutes sortes d'espèces nocturnes, que vous voyez donc en bas à gauche dans le parc Monceau. Et on fait intervenir, et j'y reviendrai, notamment tous nos agents jardiniers qui sont près plus de 2 500 pour apprendre à gérer leur quotidien, leur parc, leur jardin via différents labels, notamment l'éco-jardin, mais également s'approprier la connaissance du lieu par les espèces qui soient, qu'elles soient communes ou rares. Tout a son importance. Il n'y a pas de données inutiles. Voilà. Et ils se prennent vraiment au jeu et ça fait partie maintenant de leur travail depuis plusieurs années, exactement depuis
2004, où la ville de Paris est entrée dans la gestion différenciée. La diapo d'après, donc là c'est le deuxième chapitre, c'est planifier les collectes de données. Mais bien entendu, ça ne s'improvise pas. Là en bas à droite, c'est le groupe des orchidophiles. On remet sans arrêt à jour via la société, dans son changement. La Fédération française d'orchidophilie, anciennement Société française d'orchidophilie, on remet à jour toutes nos données parisiennes en prenant le temps d'aller sur le terrain vérifier les anciennes placettes et les nouvelles. Voilà, donc on fait intervenir différentes personnes. On a beaucoup aussi de personnes internes et de stagiaires que l'on emploie. Donc, collecter des données, ça nous permet de mieux répondre aux enjeux d'aménagement de notre territoire parisien, qui est forcément c'est une ville extrêmement urbanisée, comme vous l'imaginez. Donc, chaque année, on va procéder à des diagnostics ponctuels, c'est un peu un inventaire éclair, si vous voulez, hein, qui sont faits par différentes directions de notre ville, ou en interne, donc essentiellement nous, division de la biodiversité, ou les prestataires externes dont j'ai déjà parlé. Et dans chacun, pardon, pour chacun de ces prestataires, on demande, c'est inscrit dans la charte que l'on a avec eux, de saisir directement leurs données dans, bah, anciennement CETIA, maintenant Géonature. On a toutes les données à l'état brut et on peut rapidement les exploiter. Voilà, plutôt que de vous envoyer des versions Excel avec parfois des erreurs de nos scientifiques et j'en passe. Donc j'imaginais le travail. Voilà, donc ils font ça, en tout cas ceux qui travaillent avec nous, très très bien sur ces sujets. La diapo d'après, en quoi CETIA ou Géonature hein, nous permet de planifier nos collectes, ben voilà, ça nous permet de l'interroger à tout moment. Sur un site donné, soit on va y travailler, soit les collègues nous demandent qu'est-ce qu'il y a comme espèce particulière, donc on peut très rapidement l'interroger. C'est connaître aussi les espèces à enjeu, qui soient positives ou négatives, j'y reviendrai, hein, en amont d'un projet, avant sa création, ou avant un réaménagement ou une extension d'un lieu, ou un ravalement de façade, etc. Permet également de déterminer les sites peu prospectés. Bah oui, parce que quand c'est de l'urbanance, c'est comme tout naturel, ça nous amuse moins, mais il faut le faire. Et on trouve parfois des surprises assez extraordinaires, parce que Paris est un vrai carrefour de toutes sortes d'espèces indigènes, exotiques, naturalisées, j'en passe. Voilà. Et ça me permet également d'estimer bah, les suites taxons, les groupes d'espèces qui sont peu renseignés, peu suivis. Typiquement les poissons, typiquement certains groupes d'arthropodes, donc animaux articulés comme les araignées, les mille-pattes, les crustacés, cloportes, écrevisses, gamards, etc. Ce sont des groupes en tout cas qui nous fascinent énormément. Voilà, donc c'est quelques exemples. Là, vous avez le réservoir de Belleville, qui est l'un des réservoirs d'eau potable qui alimente la ville, sur lesquels, bah, sur ces réservoirs-là, il y a différentes plates-bandes fleuries, des prairies fleuries. Et donc, avec Claude Paris, pourrait faire des inventaires régulièrement sur les sites totalement interdits au public. Vous imaginez les enjeux. Ou de temps à autre, ça a été le cas l'année dernière, on fait des pêches de sauvetage pour pouvoir gérer nos bassins. Là, c'est le parc de Bercy dans le 12e, où avec l'aide de la Fédération des Fédérations de Pêche d'Île-de-France, Damien Bouchon et son équipe, là, vous voyez là, on va faire des prélèvements pour déplacer les poissons d'un bassin à l'autre et nous, division de la biodiversité, on va vérifier les espèces qui y sont, aussi bien donc les différentes espèces de poissons, mais également les crustacés qui peuvent y être retrouvés. On a quand même 3 écrevisses sur le territoire parisien, sur les 12 espèces, dont les 3 indigènes sur le territoire métropolitain. Pardon. Voilà. La diapo d'après, là, c'est un grand parc, c'est le tout récent, hein, qui a été livré sous cette mandature, qui est le parc Chapelle Charbon. En tout cas, tout n'est pas encore ouvert, mais c'est le plus grand parc sur lequel on a encore travaillé. On a eu la chance, c'est aussi une chance, de pouvoir travailler en amont, pendant, après, avec les paysagistes, avec les urbanistes, avec les concepteurs par définition, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, favoriser la flore indigène, même si là vous voyez une plante introduite. Hein. Mais bref, c'est extrêmement important en termes d'enjeux. Donc là, voilà, la première phase sur 28 000 m² a été ouverte. Et c'est un secteur qui se situe en limite de friche ferroviaire. Et là aussi, c'est des jeux de terrain de jeu pour nous naturistes extraordinaires, où on découvre toutes sortes d'espèces adaptées, notamment là il y a 2 espèces de criquets à aile bleue et une espèce de criquet à aile rouge, le Calyptam italien. J'ai dit non français, hein, je peux dire, voilà. On fait des suites de biodiversité partagées avec d'autres directions, notamment la voirie et les dépassements. Au sein de cette direction, c'est celle des canaux. Et avec eux, parce qu'on a quand même 3 canaux, hein. On a quand même le canal de l'Ourcq, après une centaine de kilomètres, on a les canaux de Saint-Martin et Saint-Denis, donc des canaux vraiment d'enjeu à la fois franciliens, mais également qui passent par Paris pour une grande partie, et 6 départements dehors. Nous avons mis en place avec le CSD Canaux, enfin c'est eux qui l'ont mis en place, on n'a fait que les aider, des radeaux végétalisés au nombre de 2 sur le canal Saint-Martin, et on y fait des...
pardon, le radeau végétalisé, c'est une surface de 40 mètres carrés plantée de végétaux indigènes qui ont coévolué avec les différentes espèces d'arthropodes qui sont liées comme plantes hôtes. Donc, en partie haute, il y a ça. En partie inférieure, il y a ce qu'on appelle des bio-huttes. C'est un modèle déposé, hein, pas par nous, par la société Écocéan, dans lesquelles peuvent se positionner soit des rameaux de genêts qui servent de lieu de frayère pour les différentes espèces de poissons, comme la perche commune, qui est l'une des 31 espèces de poissons, intramuros, comme également des morceaux d'huîtres dans lesquels vont pouvoir se positionner des différentes espèces de mollusques, d'éponges. On a des éponges de loup en France, même à Paris, on a deux espèces sur les 6 espèces européennes. Différentes espèces de crustacés, mais également des poissons qui peuvent également y frayer, comme le chabot de rivière, qui est l'une des deux espèces de chabots d'Île-de-France. Et là, vous voyez avec les copains d'Écocéan, eux vont plonger, ils remontent tout à la surface, et avec eux, ben, du coup, je vais procéder à la vérification des espèces, et tout ça est saisi dans cette bah, dangereuse nature, maintenant vous l'aurez compris. La diapo d'après, ça c'est un inventaire que l'on mène avec la suite d'expertise de Thierry Noblecourt de l'ONF, un entomologiste extraordinaire. Donc c'était suite à la tempête, je devrais dire ouragan. Au-delà de 120 km/h, c'est un ouragan. Bon, voilà, tempête pour le mot vulgarisé. Donc on a voulu vérifier ce qu'il en était dans nos bois de Vincennes et Boulogne. Est-ce qu'on a perdu beaucoup en termes de capital de biodiversité sur un taxon, sur un groupe particulier, que sont les insectes saproxyliques, pour le gros mot. Ce sont les insectes qui vivent au détriment du bois en cours de décomposition. Voilà, c'est un groupe assez extraordinaire. Pas forcément simple, mais vraiment passionnant. Voilà, donc Thierry Noblecourt et son équipe travaillent avec nous depuis un paquet d'années, donc depuis 1999 jusqu'à 2018 pour les bois et dans certains autres grands parcs jusqu'à maintenant. Voilà. Ils sont associés forcément à l'OFPI, l'Office pour les insectes et leur environnement, qui est une association incontournable sur le sujet et qui travaille très très bien. Ça permet également de collecter des données via tout ce qui a trait aux sciences participatives, vous avez peut-être entendu parler, le fait d'associer le particulier, pardon, qu'il soit extrêmement spécialistes ou pas, parce qu'on a des très très bons spécialistes qui ne sont pas des professionnels, mais très très bons. Voilà, donc des gens qui veulent connaître un peu mieux leur faune et leur flore. Mais en l'occurrence, nous, on s'intéresse en tant que collectivité au protocole pour les gestionnaires d'espace dont nous en partie, et nous en proposons trois, qui est le PROPAGE, protocole des papillons gestionnaires, qui peut être sur un linéaire donné, d'apprendre à reconnaître les principales espèces de papillons de jour que l'on a sur notre territoire. Il est accompagné en amont du florilège prairie, là c'est un quadra cette fois-ci, qui permet de vérifier les espèces prairiales sur un site donné, voir si en haut niveau de la gestion différenciée on est adéquat ou pas avec ce mode de gestion. Et se superposant enfin à celui-ci, l'observatoire participatif des vers de terre, qui permet, d'après la richesse des trois types de vers de terre, sans entrer dans le détail, de connaître finalement si on est pas on est bon ou pas bon en termes de gestionnaire de nos habitats, et en même temps, c'est fédérer nos jardiniers, cantonniers, etc. à ce sujet-là pour que vraiment ils s'approprient le sujet et qu'on développe davantage la biodiversité espèce et espace. Pardon. Dernier chapitre, valoriser les données. Ah, il me manque une photo. Voilà. La façon, donc soit on le fait en interne, soit on passe par des collègues et copains extérieurs à nos villes de Paris, des gens extrêmement passionnés, chevronnés, comme beaucoup dans le milieu des naturalistes. Vous avez comme exemple Jean-Pierre Amardeil de la France, oui, donc la Fédération française d'orchidophilie, il faut que j'arrive au nouveau terme, avec qui on travaille depuis un paquet d'années aussi. Lui, il cartographie tout ça au sein de la Fédé, et nous, on rentre tout ça dans Géonature maintenant. On fait des inventaires araignées, donc là on passait par Christophe Hervé qui était très, très bien avec Christine Rollard, si vous connaissez notre Madame Araignée, quelqu'un d'extraordinaire également. Ou on fait des inventaires poissons, là vous voyez, on est en train de museler une perche commune. Voilà, donc on travaille sur un très grand nombre de sujets, espèces, milieux. Et en l'occurrence, ça vous avez dû en entendre parler. On suit à la suite du muséum, hein, en fait, a été détecté sur la petite ceinture ferroviaire dont j'ai parlé juste au début, dans le 14e arrondissement, c'est connu de tous maintenant, jusqu'en Australie, il y avait des articles là-bas, écrits par Jean-François Julien, Christian Carbiru, etc., d'autres chiroptérologues, spécialistes chauves-souris. Donc on a un suivi d'une colonie qui est la plus grande colonie d'hibernation de pipistrelles communes d'Europe de l'Ouest, la première européenne, elle est polonaise, mais on les aura. C'est qu'un jeu. Et donc, c'est une colonie extraordinaire que donc le muséum a détecté, Alexandra Carr, en 91, et c'est suivi depuis par le muséum, Jean-François Julien et Philippe Lustra, au tout début,
Une nouvelle ville de Paris, en lien avec SNCF Réseau, on gère le site depuis 2012. Donc, on a travaillé avec l'ONF, Sandrine Milano, et maintenant avec Alcatoré, donc Quentin Rouy. Voilà. Donc, c'est en même temps, tout ça participe à, bon, forcément, amender, à tout ça est amendé dans la base de données Géonature. Et tout ça participe également au plan régional d'action Chiroptère que l'on suit, mais là, on en est au deuxième, que l'on suit depuis le début. Là, vous voyez, sur la droite, c'est un tunnel, bon, qui n'est pas très sexy, c'est que des plaques de béton avec des interférences, enfin des joints qui se désquament à différents endroits et les pipistrelles se mettent à l'intérieur. Voilà, on a 12 espèces sur le territoire parisien, dont la plus commune, bah, c'était l'Hypaophilia aegypti, hein, c'est la pipistrelle commune. Diapo suivante, donc bah, les études d'impact, inventaire, connaissances, etc. Leurs objectifs généraux, c'est apprendre à connaître les espèces en effet sauvages de préférence, hein, par définition, qui sont sur notre site. Suivent leur évolution, apparition, disparition d'espèces nouvelles, la pierre à l'Albubi, par exemple, le frelon asiatique, introduit en 2004, etc. On peut aussi de qualifier nos corridors écologiques, mais également nos réservoirs urbains de biodiversité. Donc, tout ça est en lien avec la trame verte, la trame bleue, entre autres, puisqu'il y a plusieurs trames. De réaliser des études d'impact avant de nouveaux aménagements, j'en ai parlé avant, mais également de réadapter ou de proposer différents types de gestion différenciée en lien avec les gestionnaires. Donc, on est couramment au terrain, sur le terrain avec eux pour leur proposer. On ne fait que proposer, on n'impose pas, mais en général, on est quand même très bien écouté, suivi. On n'a aucun ego par rapport à ça. On est là pour partager, c'est comme ça qu'on progresse de toute façon. Et pour donner un ordre d'idée, donc nous, de la division de la biodiversité, nous avons en moyenne 80 à 100 demandes d'extraction de données sur le territoire parisien. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Donc, vous voyez que la base de données, qu'elle soit sur CETIA ou maintenant Géonaturel de France, est un outil absolument incontournable pour nous, d'autant qu'on le couple notamment via le SIG, Système d'information géographique. La diapo d'après, donc c'est un usage, pardon, c'est un outil à usage multiple. Nous permet de fournir une image plus ou moins actuelle de, bah, c'est précis sur la situation des espèces et habitats, hein, les milieux à Paris, d'analyser les évolutions, mais également les menaces qui pèsent sur elles lorsqu'il y a des aménagements, constructions ou des chantiers particuliers. Voilà, c'est toujours intéressant de vérifier ce qu'il en est. Et donc les espèces, j'y reviendrai, espèces en jeu positif, espèces patrimoniales, qu'elles soient protégées en liste rouge, etc., ou UICN, Union internationale de conservation de la nature, mais également les espèces en jeu négatif, que ce sont les EEE, espèces exotiques envahissantes à différents degrés. Vous avez à droite la coccinelle asiatique, à une quinzaine de patterns, c'est des colorations différentes. Que ce soit le frelon asiatique dont j'ai parlé, la perruche à collier. Après, on en pense ce que l'on veut, mais on suit ces différentes espèces que ça nous est demandé. Voilà, ça nous permet également d'apprécier les modifications du milieu, donc la fameuse tempête, hein, l'ouragan et les différents aménagements. Et on a pour ça la chance d'avoir, pour l'instant en tout cas, je croise les doigts, mais on a dans chacun de nos deux bois, Vincennes et Boulogne, deux réserves témoins de l'ouragan de 1999. Voilà, donc on le suit, ce sont des îlots de vieillissement et on y fait régulièrement des inventaires. Les bases de données nous servent également à partager la connaissance, ça vous l'aurez compris, c'est l'un des objectifs de notre plan biodiversité de la ville de Paris, on en est au deuxième. Donc d'élaborer des documents pédagogiques, on fait différentes affiches, vous avez dû les voir, parce qu'on en a une trentaine qui est dans tous nos parcs et jardins, soit par espèce, soit par milieu. Là à droite, vous avez le vivant dans les friches parisiennes. De proposer des sentiers écologiques anciennement, bon, c'était sous version papier, maintenant que vous avez sous forme de documents numérisés, de créer également des expositions et de transmettre tout ça, bah, tout savoir, si j'ose dire, aux scolaires, au grand public, via des expos, des visites guidées, etc. On a un service dédié aux visites guidées qui travaille énormément sur ces sujets partout dans Paris. Et également, de faire les extractions, parce qu'il y a aussi le côté atlas qui est extrêmement important, notamment l'atlas, l'ABC, Atlas de la biodiversité communale, on l'a fait nous pour Paris, du moins on leur a actualisé l'ancien qu'on avait fait avec les collègues et copains du muséum en 2006. Donc là on l'a actualisé en interne. Donc là où il y a des extractions en fonction des espèces, on voit bien qu'il n'y a pas la même pression et d'observation et de répartition des espèces, donc c'est extrêmement intéressant. Donc sur un pas de temps de 10 ans, grosso modo, hein, donc 10 ans, 2010-2021. Et ça donne cet atlas, hein, vous pouvez le retrouver en ligne, hein, sur paris.fr, vous tapez paris.fr Atlas de la nature à Paris, vous tomberez dessus, qui est un outil grand public, il existe aussi en version papier, en format A5, donc avec une vraie partie qui traite de l'état des lieux bon, sur l'instant T, enfin sur le pas de temps 10 ans en l'occurrence. Une deuxième partie avec bah, donc près de 10 balades, et on aborde une centaine d'espèces, faune, flore, fonge, que je dis, les trois ensembles de taxons nous intéressent et nous passionnent.
Et ça nous permet de faire une sorte d'arrêt sur image. Vous savez, c'est très à la mode, ce genre de choses. Ce n'est qu'un outil, ça ne permet pas de tout interpréter. C'est un panorama des près de 2800 espèces sauvages, les sauvages qui sont, pardon, qui ont été observés sur le territoire parisien de 2010 à 2020. Donc ça, c'est l'extraction de cette île de France, vous voyez, dont les 32 poissons, j'ai dit 31, pardon, c'est l'erreur de ma part tout à l'heure. Vous voyez, les 771 espèces de plantes à fleurs qui ne sont pas des plantes exotiques ou horticoles. Là, je parle bien de plantes indigènes, naturalisées, substantielles. Enfin, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Voilà, donc, bon, je ne vais pas aller plus loin, vous pouvez l'avoir sur Internet. Donc, pour finir, hein, ben forcément, des données se traînent sûrement dans vos tiroirs ou dans vos carnets ou dans les feuilles. Ça serait dommage de ne pas en faire profiter la communauté des naturalistes, des scientifiques. Donc, ben, rendez-les un public d'enjeux nature. Ça serait l'occasion. Voilà. La ville de Paris vous remercie. Alors, merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation très instructive. Je suis en train de rechercher l'icône pour partager mon écran de nouveau. Ah, donc normalement, vous avez de nouveau accès au diaporama principal. Voilà, après cette présentation des actions et de la manière dont la ville de Paris utilise les données naturalistes, on revient, donc vous aurez l'occasion de poser des questions à Xavier à la fin de conférence. Donc on en a noté une notamment, mais n'hésitez pas à les préparer pour la fin de la conférence. Et donc on repart sur cette présentation du réseau d'acteurs du SINP. Donc avec ce socle d'acteurs, comme on disait, de producteurs de données au niveau local. Et donc si on remonte d'un niveau, on a ces plateformes régionales sur lesquelles le SINP s'appuie et qui ont donc pour objectif de faire le relais entre les acteurs des territoires et le dispositif national, de standardiser et valider les données qui viennent des territoires, de diffuser les informations en région pour assurer le partage de l'ensemble des connaissances à l'échelle du territoire et d'animer une dynamique de réseau au niveau régional en mettant en lien les acteurs les uns avec les autres et en formant donc le réseau. Ces plateformes régionales sont pilotées par les DREAL et copilotées par les régions. En Ile-de-France, la DREAL est une DRIAT, donc la DRIAT Ile-de-France, qui veut dire Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. Et donc c'est elle qui pilote le SINP en Ile-de-France avec le copilotage de la région Ile-de-France. Et donc le SINP francilien s'appuie notamment sur deux bases de données régionales de référence, Géonat Ile-de-France, et une autre base portée par le Conservatoire botanique national du bassin parisien, donc une base flore, qui est du coup qui utilise pardon un outil de saisie qui s'appelait Flora et qui va s'appeler Lobelia dans quelques semaines, puisque on n'est pas les seuls à avoir fait une migration d'outils. Le CBN migre également d'outils. Donc dans les semaines à venir, vers un outil qui est partagé par trois autres conservatoires botaniques. Et ces différentes évolutions nous permettront très bientôt un échange des données flore automatisé entre Géonat Île-de-France et Lobelia. Donc après ce niveau régional, le niveau national, donc la plateforme nationale du SINP qui s'appuie sur le ministère de la Transition écologique et solidaire, sur l'Office français de la biodiversité, le CNRS, le Muséum national d'histoire naturelle. Donc le rôle de cette plateforme nationale est de standardiser, valider et mutualiser les données qui viennent des différentes régions. Et cette plateforme nationale dispose de deux outils informatiques majoritaires de gestion et de diffusion de données. Donc d'abord l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel, qui est un outil qui est très connu et sur lequel il est notamment possible de retrouver des cartes de synthèse sur la répartition des espèces sur le territoire, mais également des référentiels utiles aux acteurs du SINP, notamment les référentiels espèces et habitats, les maillages, les zonages protégés ou d'inventaire, les statuts d'espèces, donc protégés, listes rouges, etc. Et ils ont également sorti un nouvel outil l'année dernière qui s'appelle OpenOps, qui est un site web qui permet de visualiser et télécharger les données d'observation publiques et non sensibles sur les espèces disponibles dans l'INPN. Vous pouvez du coup, via cet outil, accéder à plus de 91 millions de données sur la faune, la flore et la faune.
Et enfin, le dernier niveau, le niveau international, le niveau global. Donc la plateforme globale est portée par le GBIF, Global Biodiversity Information Facility, donc le système mondial d'information sur la biodiversité, qui est un réseau international et une infrastructure de données qui est financée par les gouvernements mondiaux, avec pour but de fournir à tous et partout un accès libre aux données sur toutes les formes de vie sur Terre. Donc les données y sont transformées selon des standards internationaux, ce qui permet de travailler sur davantage de sources, donc des sources françaises, des sources étrangères, dans le cadre de projets mondiaux ou de projets de recherche à l'échelle européenne, par exemple. Donc voilà une diapo récapitulative pour montrer que le SINP, finalement, c'est très simple. Donc ce réseau d'acteurs qui partage l'information naturaliste selon un ensemble de méthodes et de règles communes à différentes, avec différentes échelles, donc le local, le régional, le national et le global. Et rapidement, pour vous montrer qu'en plus des outils et des bases dont je viens de parler dans le cadre du SINP francilien, il y a d'autres bases outils de saisie, participants ou non au SINP. Il y a notamment en base suprarégionale la base Faune France, qui est une base portée par la LPO, qui ne participe pas directement au SINP. Il y a la base Devigis Nature, donc les observatoires de sciences participatives portés par le Muséum national d'histoire naturelle. Il y a un outil qui s'appelle e-Naturalis, dont je reparlerai plus tard. Il y a des bases de données par taxon, donc la base de données de l'OPI, la base de données de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, la SFEPM, la base de données de la Société herpétologique de France, donc c'est des données amphibiens et reptiles, etc. Et également des bases infrarégionales portées par des collectivités, des conseils départementaux, des communautés d'agglos, des réserves naturelles, etc. Donc vraiment voilà, constellation de bases de données. Et l'idée, c'est qu'on partage tous les données pour pouvoir tous les utiliser. Et donc maintenant que nous avons vu comment les données sont rassemblées pour être mutualisées, on va se demander à quoi servent ces données naturalistes. Donc elles sont tout d'abord support à l'élaboration et au suivi des politiques de conservation de la biodiversité et permettent de faciliter la prise de décision. Donc notamment support de la mise en place des plans nationaux d'action, donc les PNA, en faveur des espèces menacées. Donc c'est un dispositif porté par le ministère de la Transition écologique pour mobiliser les acteurs sur le territoire, pour permettre un suivi cohérent des populations et mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration des espèces et de leurs habitats. Et donc leur déclinaison locale, régionale, les plans régionaux d'action. Elles vont également être support de la mise en place de la stratégie nationale pour les aires protégées, dont la mise à jour des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, les ZNIEF, et de la trame verte et bleue. Elles vont servir également dans le cadre des obligations réglementaires liées à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, dans le cadre d'études d'impact pour des projets d'urbanisation. Elles vont permettre d'identifier différents enjeux, notamment les sites à fort intérêt, le déclin d'observation d'espèces à enjeux dont parlait Xavier tout à l'heure. Elles vont permettre la mise en place d'ouvrages particuliers, par exemple les batraciodromes et les batraciaqueducs, comme protéger du coup les populations d'amphibiens pendant leur migration nuptiale, comme je parlais tout à l'heure, ou la mise en place de gîtes Kiro, etc. Elles vont servir au rapportage européen et de différentes directives, notamment la directive Habitat Faune Flore, et également à toutes les politiques de connaissance et de conservation à l'échelle d'une collectivité ou d'une association, donc les atlas de biodiversité communaux, dont a parlé Xavier tout à l'heure, l'animation des zones Natura 2000, la gestion des ENS, donc espaces naturels sensibles par les départements, etc. Elles vont également permettre la synthèse des connaissances, la publication de cartographies, de catalogues d'espèces, d'atlas de répartition, l'élaboration de listes de références telles que les listes rouges nationales et régionales, les listes ZNIEF. Elles vont servir dans le cadre de programmes de recherche, dans la construction d'indicateurs à l'échelle locale, régionale ou nationale pour l'Observatoire national de la biodiversité, donc, dont les indicateurs sont disponibles sur le site Nature France, ou pour tout autre besoin pour d'autres programmes ou stratégies de conservation de la nature d'envergure locale à internationale. Pour avoir un exemple pratique de l'intérêt des données naturalistes, nous accueillons Sylvie Vandenbrink, présidente, et Lucien Clévas, chargé d'études de l'Association des amis naturalistes des Coteaux d'Avron, l'ANCA. Ils vont évoquer l'utilisation qu'ils font des données dans leur travail associatif, notamment pour contester, réorienter des projets pardon, potentiellement impactants pour la biodiversité, mais aussi nous montrer comment une base de données régionale peut permettre un auto-apprentissage naturaliste. Donc, je redépartage mon diaporama et je vous donne la parole. Merci.
C'est bon normalement. D'accord. Bien, bonjour. Sylvie, Oui, je suis là. tu... Vas-y, lance-toi et j'interviendrai. Tu veux que je commence sur ma partie? D'accord. Alors. Vas-y. Je me présente, Lucien Cléva. Moi, je suis ici pour vous montrer, enfin pour parler avec vous de ce que les bases de données en ligne peuvent apporter à quelqu'un pour son auto-apprentissage en tant que naturaliste. Je vais beaucoup parler de mon expérience personnelle par rapport à ça. Alors, pour commencer, j'ai commencé, je suis arrivé sur les bases de données naturalistes, via des bases de données de sciences participatives, en particulier le SPIPOL, qui est porté par Viginature, dont Ophélie a parlé précédemment. Le SPIPOL, qui est le suivi photographique des insectes pollinisateurs, qui en fait est une science participative qui va fournir un protocole, photographier pendant 20 minutes les espèces qui se posent sur une espèce de fleur. En utilisant cette base de données, j'ai pu commencer à entrer mes premières données, discuter avec des naturalistes, et ce qui a commencé à me faire découvrir tout ça. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bases de données qui sont adaptées à tout niveau. Donc les sciences participatives qui sont adaptées pour les premières utilisations de bases de données, puis ensuite d'autres bases de données comme CETIA, puis aujourd'hui GeoNature. Donc en fait, au niveau de l'auto-apprentissage, ce que ça apporte et ce que ça m'a apporté, c'est que souvent en tant que naturaliste, on va faire ses observations, on va commencer à essayer d'identifier les espèces, mais si on n'a pas une si on ne trouve pas une utilité à ces observations, on va avoir du mal à enfin on peut en tout cas personnellement ça j'ai pu avoir du mal à me motiver à apprendre car je manquais d'utilisation de ces données. En fait, les bases de données naturalistes permettent de donner un sens à ces données en sachant qu'elles vont avoir une utilisation, comme Ophélie l'a bien résumé précédemment. Donc ça permet de se motiver, ça m'a permis moi personnellement désolé ça m'a permis de me motiver et d'en apprendre un peu plus. En voyant cette utilité, on peut se motiver, on va en apprendre un peu plus, on en apprend sur d'autres désolé je suis un peu donc on en apprend sur d'autres groupes, sur d'autres espèces, du coup on va pouvoir désolé, je suis un peu fatigué, je suis un peu stressé, j'ai du mal à trouver mes mots. Tu veux que je continue? Je veux bien que tu prennes le relais 2 secondes, je suis un peu stressé. Oui, ce que Lucien essaye de dire, c'est que moi je suis Sylvie Vandenbrink, la présidente de l'ANCA, donc je travaille beaucoup avec Lucien et je vois tout à fait ce qu'il veut dire. Là, il est en train de parler de la communauté des naturalistes qui échange des remarques, qui échange des tuyaux pour reconnaître des espèces souvent, qui demandent une photo pour vérifier. C'est très important, cette communauté d'échange des naturalistes de tous les groupes, hein. Je sais qu'il y a des fois, bon, moi je ne suis pas une naturaliste experte, j'ai commencé très simplement par un groupe, j'avais commencé par les papillons de jour d'Île-de-France. Parce qu'il faut commencer par quelque chose de limité, c'est tellement immense la biodiversité. Et bon, ben, parfois on fait des petites erreurs et cette communauté qui échange sur les sujets, qui pose des questions, c'est vraiment très précieux pour nous. Et ce que Lucia était en train de dire, c'est que ça l'a fait progresser sur tout un tas de groupes. Voilà. C'est vrai que maintenant, il est très polyvalent, même s'il reste très pointu sur les arthropodes, il est très polyvalent. C'est ce que tu voulais dire, non? C'est ça. Merci. Désolé pour le petit coup de stress, ça m'a un peu remis sur les rails. Non, pas mal. Bon, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver.
Donc, effectivement, comme tu disais, ça permet aussi de communiquer avec de nombreuses personnes et de découvrir de nouveaux groupes auxquels s'intéresser. Et justement, souvent sur ces bases de données, on va ensuite un peu regarder ce que les autres ont vu, regarder quels groupes sont plus souvent inventoriés. Et moi, enfin, personnellement, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de gens, mais ça m'a donné envie aussi de m'intéresser aux groupes sur lesquels je voyais moins de données, de découvrir de nouveaux groupes, d'apprendre à les reconnaître. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut être très intéressant avec ces bases de données, justement. Par exemple, moi, je suis arrivé, j'étais surtout intéressé par les arachnides et le groupe les fourmis et quelques autres hyménoptères. Et avec le temps, j'ai vu qu'il manquait, par exemple, des données sur les isopodes, sur les collemboles. Donc, les isopodes, c'est les cloportes. Et ça m'a permis de m'y intéresser et de progresser dans ces groupes. Donc, je trouve que c'est vraiment une grosse utilité qu'ont ces bases de données, c'est que ça permet aussi de donner envie de s'intéresser à plus de choses parce qu'on voit aussi qu'il y a cette utilité d'apporter les données, des nouvelles données. En plus, quand on rentre toutes ces données, on va aussi pouvoir voir celles des autres et par exemple, mieux comprendre certaines choses qu'on a pu voir sur le terrain en voyant que telle ou telle personne a vu telle espèce à cet endroit. On peut en apprendre plus sur comment cette espèce a pu arriver là où on l'a trouvée. On va pouvoir personnellement en apprendre, enfin, mieux comprendre ces données, mieux comprendre ces informations. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais n'hésitez pas à poser des questions si j'ai besoin de repréciser un peu. Donc, voilà, et puis soi-même, on va finir par se spécialiser sur de nouveaux groupes où certaines personnes, ou parfois peu de gens sont entre des données et commencer à faire comme les personnes qui nous ont aidés, à commenter les observations des autres, donner des conseils au niveau des critères d'identification. Donc je trouve que ça permet aussi une bonne base d'échange entre naturalistes et ça peut permettre de beaucoup progresser. Et justement, ça peut permettre aussi de s'intégrer dans le réseau naturaliste quand on n'y travaille pas encore et qu'on a envie, comme ce que j'ai eu moi, envie de travailler dans ce milieu, ça permet de s'intégrer un peu plus. Avec le Spipole, justement, j'avais pu avoir l'occasion de connaître des personnes de ce milieu, faire des stages et je trouve que c'est aussi une bonne base pour s'intégrer dans ce milieu-là. Donc voilà, je sais pas si tu veux revenir sur certaines choses à ce niveau-là. Oui, ben moi je serais un petit peu plus sur l'association. Donc l'ANCA, les Amis Naturalistes des Coteaux d'Aveyron, c'est une association d'études et de protection de la nature en Seine-Saint-Denis. On travaille sur la Seine-Saint-Denis et sur les communes limitrophes à la Seine-Saint-Denis dans le 77. Et donc pour bien protéger la nature, faut bien la connaître. Et donc on passe beaucoup de temps à faire des inventaires. Ces inventaires nous servent à mettre à jour les classements des sites pour les protéger, notamment dans les documents d'urbanisme. Par exemple, chaque année, on met à jour des ZNIEF, des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Souvent, les inventaires sont un peu anciens, donc c'est des inventaires souvent qui datent de 2004 ou des choses comme ça. Et les listes d'espèces déterminantes ont changé, donc nous, on fait des mises à jour afin que ces périmètres soient protégés dans les documents d'urbanisme, c'est-à-dire les plans locaux d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme intercommunal. On fait protéger, donc par exemple, les ZNIEF, on les fait mettre en zone N inconstructible. Voilà, et puis on travaille aussi sur les trames vertes avec les ZNIEF de type 2. On en a plusieurs qui sont en cours de mise à jour. On crée aussi des nouvelles protections sur par exemple, là, on a fait classer des prairies qui n'étaient pas encore protégées sur la ville de Gagny. Et puis on a étendu plusieurs périmètres et on travaille aussi sur la création de zones qui seraient protégées par des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes. Voilà. Donc ça nécessite une énorme pression d'inventaire, évidemment. On utilise aussi beaucoup la base de données. On demande des extractions sur les sites qu'on met à jour, puisque là, on fait aussi de la compilation pour avoir les meilleures données. Voilà. Et puis, évidemment, quand il y a un projet qui est annoncé, quand il y a une enquête publique, on regarde de plus près ce qui a été fait avant ces projets, parce que souvent,
L'étude qui est faite juste avant un projet, ça ne couvre qu'une année. Voilà. Et la base de données a l'intérêt de stocker donc des données sur plusieurs années. Une année peut être très différente de la précédente et de la suivante. Et dire qu'une espèce n'est pas présente parce qu'on n'a pas trouvé une année, ça n'est pas valable. On a vraiment besoin de stocks de données pour assurer tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je voulais dire que par rapport aussi à CETIA et à Géonature, donc, bon, au début, on met des données comme ça, et puis au bout d'un moment, ça devient un côté un peu addictif, puisqu'on commence à regarder où ont trouvé les autres et où, qui fait quoi, où et qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Et ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, nous, on fait des suivis d'espèces, notamment le crapaud calamite, hein, c'est un peu notre chouchou. Et donc, quand on voit qu'ils sont sortis en Seine-et-Marne, eh ben, on sait qu'ils sont, voilà, qu'ils sont sortis ou sur le point de sortir aussi chez nous et on s'active. On a vraiment besoin des données des autres pour être cohérent dans ce qu'on fait, quoi. Voilà. Pas ce que je pourrais dire d'autre. Oui, il y a autre chose aussi. Je me rappelle qu'en 2012, je n'étais pas encore à l'ANCA, j'étais sur une association plus locale. Et la ville de Noisy-le-Sec avait refait son plan local d'urbanisme. Et la première phrase qui était dans l'état initial de l'environnement, c'était « La biodiversité est pauvre à Noisy-le-Sec », qui était quand même extraordinaire d'écrire ça. Donc évidemment, on s'est empressé de montrer que ça n'était pas le cas. Et on s'est aperçu aussi qu'il y a quand même beaucoup de villes ou de collectivités qui ne savent pas qu'il y a des bases de données tout à fait accessibles, faciles d'utilisation et qui donnent beaucoup d'informations, quoi. Voilà. Donc, je voulais, voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour parce que ceux qui ont parlé avant nous ont été très complets. Tu vois autre chose, Lucien? En tout cas, je te rejoins sur ce côté un peu aussi addictif des bases de données. Je le ressens pas mal de vouloir toujours voir ce que les autres ont pu voir et puis avoir la curiosité après d'aller voir derrière, parfois compléter un peu par ses propres observations ce qui a été pu, qui a pu été, enfin, ce qui a pu être vu. Voilà, je trouve ça aussi très intéressant à ce niveau-là. Après, je trouve que tu as plutôt bien résumé les actions de l'ANCAD. De toute façon, je pense que tu es plutôt bien placé pour savoir la manière dont on utilise les bases de Et puis données. on a aussi la chance sur ces bases de données d'avoir des vrais spécialistes, quoi, des gens incroyables, quoi. Oui, c'est clair. Voilà. Et Et voilà. Par exemple, Axel, quand il m'explique comment identifier deux cirfes l'un à côté de l'autre, bon, c'est magistral, quoi. Donc après, on a les contacts pour si vraiment on a un doute pour contacter la personne et c'est vraiment précieux, quoi. Voilà. Ben voilà, je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter. C'est vrai que Moi, j'ai je crois que peut-être c'est été un peu rapide sur ce que j'ai dit, du coup. Mais bon. Non, voilà. c'est bien. Après, vous avez tenu votre temps, hein, donc moi, ça me va très bien. Bah, merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention. Si vous voulez, dans le Q&A, vous avez des questions à répondre, notamment sur votre programme d'activité et d'animation. Et donc moi je vais repartager mon diaporama que je retrouve et là et hop, clac. Donc normalement on est reparti sur le diaporama principal. Voilà. Hop. Et donc oui, j'ai entendu quelqu'un. Je peux y aller, je vais juste masquer ce truc. Voilà. Donc pour donc continuer sur l'utilité. Ah, j'ai un retour, en fait, c'est ma voix que j'entends. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Donc, enfin, pour continuer sur l'utilité des données naturalistes, donc on a, et donc Xavier en a parlé précédemment, bah, la possibilité à partir des données contenues dans les bases bah, de mettre en place des indicateurs de richesse spécifiques. Donc là, voilà le nombre d'espèces par taxon en Île-de-France. On va pouvoir évaluer l'état de conservation des espèces également avec la mise en place de listes rouges régionales qui nécessitent évidemment les données émanant du terrain croisées avec l'expérience des experts pour passer des données au statut de menace qui pèse sur les différentes espèces.
Si vous voulez avoir plus d'informations sur les listes rouges, on a réalisé, mes collègues Lucille et Minky ont réalisé une très bonne conférence sur le sujet disponible sur notre site internet. Ils ont réalisé ça l'année dernière et donc vous pouvez revoir leur présentation. Pour finir sur ces listes rouges, il y a un critère d'évaluation qui est la répartition géographique qui nécessite des données de répartition suffisantes et donc voilà qui s'appuie notamment sur de la donnée opportuniste. Et donc, si on regarde rapidement les résultats des différentes listes rouges déclinées au niveau régional, donc sur la flore, les oiseaux nicheurs, les chauves-souris, les odonates, les papillons de jour, les orthoptéroïdes, on s'aperçoit que le résultat n'est pas brillant, avec toujours un quart à un tiers des espèces menacées à court terme. Elles vont également nous servir à des suivis basés sur l'occurrence des espèces, donc notamment via les atlas de répartition. On a au niveau de la région Île-de-France un atlas dynamique de la biodiversité qui donc était auparavant sur cette Île-de-France et qui est maintenant sur les outils Géonature, donc accessible à l'adresse indiquée sur la diapo. Il va vous permettre de consulter des fiches par espèce avec différentes informations, donc la cartographie de répartition, des commentaires sur les espèces, la phénologie, les périodes d'activité, les périodes où du coup on peut les observer, les communes où les espèces ont été observées, les observateurs. Et on va pouvoir également filtrer par commune, donc aller rechercher sur sa commune quelles espèces ont été observées, combien d'observations ont été faites, où, voilà, globalement, et d'autres choses encore. On va pouvoir également localiser les espèces à enjeu. Là, un exemple sur le cuivré des marais, donc une espèce qui est très rare sur la région. Et donc, on voit vraiment sur la carte qu'il reste actuellement uniquement deux bastions de présence de l'espèce en Seine-et-Marne, qui sont donc ces dernières localités connues dans la région, au niveau du Petit Morin et de la Bassée. On a également d'autres atlas dynamiques à d'autres échelles. Il y a notamment des atlas nationaux, dont l'Observatoire national des mammifères, porté par la SFEPM, l'atlas de la Société herpétologique de France avec des données reptiles et amphibiens, porté par la SHF. On a l'atlas des oiseaux de France, lancé l'année dernière, et là maintenant il est accessible smartphone. Et on a évidemment des atlas papier, donc qui sont pas mis à jour, dont les données ne sont pas mises à jour de façon dynamique, évidemment, mais dont les explications sont beaucoup plus fouillées. Les données nous servent également à mettre en place des indicateurs type, des indicateurs de qualité de prospection par commune. Donc ça, c'est un indicateur mis en place avec l'OPI, qui était sur un outil qui s'appelait l'Observatoire des territoires, qui est en cours de migration, donc non disponible actuellement, mais on va remettre en ligne tout ça prochainement. On a également la possibilité, à partir de ces données, de mettre en place des indicateurs d'enjeux de biodiversité d'un site. Donc ça, c'est une couche cartographique déclinée par le CBNVP à partir des données flora et de leur base habitat. Donc une carte d'alerte pour signaler notamment la présence d'espèces protégées ou menacées sur un site. Et on va pouvoir également mettre en place des indicateurs d'état de santé solides permettant aux acteurs de mettre en place des mesures de conservation ou d'adapter leurs mesures de gestion. Donc ces indicateurs que je vais vous présenter là reposent en très grande partie sur des données protocolées pour l'analyse desquelles, pardon, on se passe d'expertise qualitative. Les données parlent avec la même méthodologie et l'incertitude y est quantifiée. Donc on peut faire des traitements statistiques assez poussés. Voilà quelques exemples d'indicateurs mis en place à partir des observatoires de sciences participatives de Viginature, donc qui ont notamment montré que l'abondance des oiseaux spécialistes des milieux agricoles subit une régression de moins 30% en 30 ans. Ils ont également permis de montrer que l'arrêt des pesticides et la gestion alternative a permis une forte augmentation de la flore des interstices urbains. Un autre indicateur, donc ça c'est basé sur des observatoires au niveau européen, a montré la diminution de 50% de l'abondance en papillons de prairie entre 1990 et 2011 en Europe. Le programme Vigiquiro a montré que les chauves-souris dépendent des cavités et des vieux arbres pour se reproduire ou hiberner, avec près de 5 fois plus d'une espèce de noctule, la noctule de Leisler, dans les boisements avec vieux arbres.
Et on a également pu voir que les forêts franciliennes apparaissent globalement plus pauvres en espèces et en individus que les forêts des départements voisins, puisqu'elles accueillent 30% de chauves-souris en moins par rapport à celles des départements limitrophes, et même 85% en moins si on enlève les données de pipistrelles communes qui représentent près de 90% des données de Vigicureau sur la région Île-de-France. En cause, donc plusieurs hypothèses, les pratiques de coupe fréquentes, la rareté des connexions entre massifs forestiers qui isolent les populations entre elles, et les collisions avec les voitures qui semblent importantes pour certaines espèces. Donc ces données de sciences participatives ont aussi servi à montrer la dette climatique. Vous en avez probablement entendu parler. C'est une publication qui est sortie en 2012 qui a montré que les oiseaux et les papillons répondaient au changement climatique en déplaçant leur population vers le nord, mais pas assez rapidement pour compenser, pardon, l'augmentation des températures moyennes. Donc maintenant qu'on s'est tous convaincus de l'importance des données naturalistes, on va se demander comment vous, citoyens, vous allez pouvoir participer à l'inventaire de la biodiversité à votre échelle, et vous allez voir qu'il y a un grand nombre de moyens adaptés à tous et en fonction des envies de tous, des espèces que vous allez vouloir observer. Donc déjà rapidement, une diapo sur des observatoires dédiés à des naturalistes confirmés. Donc Viginature, voilà, en propose 7. Donc voilà, vous voyez Vigiquiro, le suivi temporel des oiseaux communs, Vigiflore, le suivi des orthoptères nocturnes, le suivi temporel des libellules, le cerf, suivi temporel des rhopalocères de France et le suivi hivernal des oiseaux communs. Donc là, il faut vraiment avoir des compétences naturalistes pour pouvoir y participer. Et il y a également des programmes et inventaires nationaux et internationaux que je vous les ai listés ici. Je ne rentre pas forcément dans le détail, sachant que je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, mais voilà, Géonat Île-de-France, c'est vraiment une base pour laquelle il faut, pour saisir, avoir des compétences naturalistes et voilà, pas saisir des données un peu au hasard et pour lequel il y a des formulaires assez conséquents à remplir. Et je vais vous montrer, il y a pour le grand public, pour s'initier, il y a des formulaires beaucoup plus simplifiés. Donc Viginature propose des programmes à destination du grand public. Donc il y en a 7. Le sauvage de ma rue, oiseau des jardins, l'opération escargot, le spipole dont Lucien a parlé, suivi photographique des insectes pollinisateurs, l'opération papillon, l'opération escargot, l'observatoire des bourdons, Bird Lab. Donc chacun a son protocole particulier simple à mettre en place. Et l'idée, c'est d'observer des espèces communes dans son jardin qui sont faciles à déterminer. Donc, je ne vais pas m'étendre sur l'ensemble des protocoles parce que sinon la conférence durerait 3 heures. Mais voilà un petit zoom sur le Spipole, qui est un observatoire que j'aime beaucoup. Et que du coup, si vous aimez faire de la photo, c'est vraiment chouette de participer au Spipole. Donc le Spipole a son propre site internet. Il a également son application smartphone. Et donc pour participer, l'idée c'est donc de s'inscrire sur le site. Et donc de choisir une plante en fleur, de photographier tous les insectes qui s'y posent pendant 20 minutes, de rentrer chez soi et de recadrer les photos prises. On les identifie à partir d'une clé d'identification simplifiée qui permet vraiment d'apprendre à reconnaître les groupes d'insectes et voilà, de vraiment progresser en entomologie de manière voilà, très facile. On va poster ces photos sur le site et on va pouvoir les commenter, parler avec les autres spipoliens et voilà, se faire valider ces identifications par les spipoliens et soi-même valider les données des autres. Donc c'est vraiment un programme sympa parce qu'il y a une communauté très active et très sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc ce qu'on peut voir sur la diapo, c'est que certains de ces observatoires ont été déclinés à destination des scolaires et donc sont ouverts aux classes et aux enseignants. On a donc en plus des observatoires portés par Viginature, d'autres observatoires de sciences participatives. Et on a cette plateforme Open qui a été lancée par le collectif national des sciences participatives biodiversité qui vous permet de rechercher voilà, les observatoires donc, en fonction de votre région, en fonction de l'espèce, en fonction de votre niveau et voilà, de voir toute la diversité des observatoires auxquels vous pouvez participer. Donc là, j'en ai remis quelques-uns, je ne vais pas m'étendre dessus. Je vais parler rapidement de PlanteNet, qui est une appli assez chouette, enfin, destinée à toute personne. Donc on n'a pas forcément besoin d'être naturaliste pour l'utiliser, puisqu'en fait, c'est une appli qui va permettre la reconnaissance automatisée des plantes à partir de l'ensemble des photos qui ont été soumises dans PlanteNet.
Donc ça permet, voilà, quand on n'y connaît rien, de pouvoir voilà, avoir des pistes sur l'identification des plantes et donc les données, les photos que vous allez mettre dedans et donc attachées à des données pourront remonter dans PlanteNet et dans le SINP. Vous allez également, si vous le souhaitez, donc pouvoir saisir de la donnée opportuniste dans l'application INPN Espèces, donc qui est disponible sur iPhone et Android. Donc c'est une application assez chouette aussi. Donc l'idée, c'est un formulaire simplifié. Il faut toujours joindre une photo de l'espèce observée pour permettre la validation. On gagne des points en partageant ces photos naturalistes. Et il y a aussi un système de quête donc qui vous invite à aller rechercher des espèces en particulier et notamment ont été ajoutées dans l'application INPN Espèces les enquêtes Lucane cerf-volant et Rosalie des Alpes portées par l'OPI. Vous pouvez saisir sur enfin les espèces les Lucanes que vous voyez, le Rosalie que vous voyez aussi sur le site enquête.insect.org, mais voilà aussi dans INPN Espèces qui est une appli assez sympa. Il y a également moyen de saisir ces données dans l'application et le site eNaturalist, qui est également disponible sur smartphone. Donc, c'est un site à dimension internationale qui permet de partager ses observations naturalistes avec le monde entier et qui est une initiative de l'Académie des sciences de Californie et de la National Geographic Society. Et enfin, donc là, je vous en parle rapidement parce que c'est un outil qu'on n'a pas encore décliné au niveau de la région Île-de-France, mais qui va nous permettre de mettre en place des formulaires simplifiés pour permettre de la saisie grand public. Donc ça s'appelle GeoNature Citizen. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des enquêtes sur des espèces particulières à l'échelle de la région Île-de-France ou mettre en place des plateformes pour permettre notamment la saisie des citoyens dans le cadre de l'établissement des atlas de la biodiversité communale dont vous aviez à parler précédemment. Donc c'est une démarche coordonnée par l'Office français de la biodiversité et qui permet à une commune ou une structure intercommunale de connaître, préserver et valoriser son patrimoine naturel via notamment la réalisation d'une cartographie des enjeux biodiversité à l'échelle d'un territoire donné. L'ABC est donc réalisé à partir d'un inventaire précis et cartographié des habitats, de la faune, de la flore. Et à cet inventaire peuvent être associés les citoyens. Et donc là, on a notamment un exemple de la ville de Vauréal qui a une plateforme de saisie dédiée à ses citoyens pour la réalisation de son atlas biodiversité. Donc l'idée, c'est que pour participer, c'est bien aussi de se former. Donc il y a des actions pour apprendre à reconnaître les espèces et participer au programme de suivi. Nous, ARB Île-de-France, on organise des écoles régionales et ateliers naturalistes avec nos partenaires. Donc, il y a une école ornithologie avec la LPO Île-de-France, une école de botanique avec le CBNBP, une école d'herpétologie avec la SHF et le muséum, et une école d'entomologie avec l'OPI, et puis différents ateliers qu'on organise au fil des années. Donc, on vous invite à vous y inscrire. Et il y a également d'autres moyens de se former. Donc, il existe des MOOC, donc notamment le MOOC Ornitho. Il y a des MOOC sur la plateforme Tela Botanica, notamment le MOOC Botanique qui va ouvrir une nouvelle session en 2022 et qui est vraiment, vraiment très chouette pour commencer à apprendre les familles botaniques. En 2022, sur Tela Botanica, il y aura également un MOOC Jardiner avec le vivant et un MOOC Nature Adapt, donc pour agir en faveur de la nature face au changement climatique. Donc ça, ce sera plutôt à destination des professionnels. La LPO a également des cours du soir. Donc comme je vous l'ai dit, via les observatoires de sciences participatives grand public, ça vous permet de vous former. Et on a également certains observatoires qui proposent des formations d'identification, notamment Vigiquiro, qui propose des formations d'identification acoustique. Donc il suffit de s'inscrire à la newsletter pour avoir les informations pour s'y inscrire. Voilà, etc. On vous invite aussi à vous abonner aux différents bulletins, revues, magazines, à acheter des guides naturalistes sur les espèces qui vous intéressent. Il y a également des applications smartphone, des sites internet, etc. Et vous pouvez aussi, évidemment, participer à des sorties naturalistes proposées par les associations et autres structures franciliennes. Donc, la région Île-de-France n'est pas une région complètement urbanisée. Il faut savoir que 80% du territoire est occupé par des espaces naturels et ruraux, avec donc plein de potentialités de sortie sur des espaces naturels, et notamment 4 parcs naturels régionaux, 4 réserves naturelles régionales, 12 réserves naturelles, pardon. 4 réserves naturelles nationales, 12 réserves régionales et de nombreux espaces naturels sensibles gérés et valorisés par les conseils départementaux. Donc plein de sorties à faire avec ces structures.
mais également plein d'autres structures naturalistes. Donc là, je vous ai fait une liste non exhaustive des structures qui proposent des sorties sur la région. Donc non exhaustive parce que globalement, je vous ai mis à chaque fois des liens. Donc on vous partagera le diaporama par la suite et vous pourrez cliquer sur les liens pour voir les différents programmes. Donc c'est des programmes qu'on nous a envoyés ou qu'on a vu passer. Donc voilà, si il y a d'autres programmes qui nous sont montés, on pourra faire évoluer ces diapos. Et on a également la plateforme J'agis pour la nature qui recense au niveau national les animations nature. Donc toutes les structures listées là font pas forcément remonter leurs animations au niveau de J'agis pour la nature, mais ça vous permet quand même d'avoir quelques sorties qui sont centralisées sur ce site. Il y a également des événements grand public nationaux sur des thématiques bien particulières à différentes périodes de l'année. Donc ce n'est pas forcément exhaustif, mais voilà, il y en a pas mal. Donc on vous invite à y participer en fonction de vos goûts et des périodes où vous êtes disponible. Et enfin, il y a des actions pour aider la biodiversité à son échelle. Donc vous pouvez participer aux actions de ramassage des amphibiens pendant leur migration nuptiale. Donc nous, on a sur le site de l'ARB une page qui recense ces différents dispositifs sur la région. Et donc avec les coordonnées pour que vous puissiez vous y intégrer. Vous pouvez participer à des chantiers nature, donc aussi en ligne sur J'agis pour la nature. Vous pouvez participer à des observations, des actions de protection et suivi des rapaces, notamment l'émission busard, puisque sur la région, on a 3 espèces de busards qui nichent au sol et dont 2 espèces qui nichent dans les champs. Donc l'idée, c'est de les protéger pour éviter que les nichées soient détruites lors des récoltes. On a également la possibilité de s'investir dans des centres de soins pour la faune sauvage ou de rejoindre le réseau des refuges biodiversité, bénéficier de conseils de pratique et d'aménagement en inscrivant son jardin et son balcon. Donc voilà, plein d'initiatives auxquelles participer pour aussi monter en compétences naturalistes. Et du coup, j'ai un screenshot là dont j'ai oublié de vous parler. C'est un inventaire donc en ligne qu'on a mis en ligne pour un inventaire des routes traversées par les amphibiens. Donc là, si en janvier, février, mars, avril, vous constatez qu'il y a des tronçons de route où vous voyez beaucoup d'écrasements de crapauds communs, de tritons, de grenouilles, l'idée c'est vraiment de signaler sur ce site ces points de conflit, ces points d'écrasement, pour qu'on puisse après mettre en place, enfin, les structures, les associations, etc., puissent mettre en place des batracoducs, des batracodomes pour les protéger. Donc voilà, j'espère que cette conférence vous a permis de mieux comprendre comment les données naturalistes sont collectées et valorisées et vous avoir donné envie de participer à une meilleure connaissance de la biodiversité sur notre région en réalisant, excusez-moi, vous aussi, des observations. Donc là, c'est le moment des questions. Donc on va prendre des questions qu'on a eues dans le Q&A et dans le chat. Et puis voilà, d'autres questions. Enfin, n'hésitez pas à continuer à poser des questions si vous le souhaitez. Donc je départage mon diaporama et je reviens hop, dans la fenêtre Blue Jeans. C'est bon. Donc, on a eu pas mal de questions, mais vraiment tout le monde a super bien joué le jeu et a répondu déjà dans le chat à pas mal de questions. Donc ça, c'est très très chouette. C'est un peu le but de ces conférences, c'est que tout le monde partage ses connaissances. Il nous reste quelques questions auxquelles, alors s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre ce soir, on ne manquera pas de retourner vers nos collègues plus experts de certaines choses et on répondra après dans la synthèse de la conférence. Il y a des questions qui s'adressent particulièrement à, donc il y en a une pour Xavier qui, on demande si le service biodique de Paris intervient sur des parcelles publiques. Là, que public, pardon, et pas sur des parcelles privées. Oui, vous m'entendez là, c'est bon, ça marche. Ouais. Oui, c'est bon. Ok. Par définition, on intervient essentiellement sur notre territoire parisien, dont les 500 parcs que l'on a à gérer, mais on intervient également en bon échange avec tous les autres organismes que sont les bailleurs sociaux, mais également les jardins d'État, comme celui du Jardin des Plantes, le Muséum, donc l'État, le Sénat, donc le Luxembourg, etc. Bien entendu, la trame verte, la trame bleue, elle n'est pas bloquée sur le territoire que de Paris, mais également avec nos collègues limitrophes. Voilà, donc on échange régulièrement avec eux. Merci. On a des questions pour Lanka. Je pense que vous y avez répondu. Est-ce que vous avez des événements ouverts au public? Comment font les personnes qui souhaitent participer et vous rejoindre?
Faudrait nous contacter par donc on a une boîte mail qui fonctionne bien. C'est vrai qu'on n'affiche pas toujours nos sorties sur le site internet, il faudrait qu'on le fasse. On va reprendre les sorties tout public, je pense, au printemps, les sorties thématiques. Là pour l'instant, c'est vrai que c'est assez calme. Ok, on a une autre question pour Xavier. Comment une commune peut-elle entrer en contact avec les naturalistes confirmés de sa commune qui participent à toutes ces actions? On a énormément de demandes, vous l'imaginez, mais on n'est pas une association, forcément, on est une agglomération. Il y a moyen de participer via des visites guidées sur les différents sites sur lesquels on peut travailler, mais travailler avec nous sur les différents sites, on a déjà un nombre de vacataires, de stagiaires, de personnes en alternance que l'on emmène avec nous sur le terrain. Donc, on ne s'ouvre pas au grand public. Voilà, je suis désolé, il faut vraiment passer par les associations. Ophélie, il y a une question. Quelle est la différence entre la base Setia et la base Géonature? Mais je pense que tu y as répondu dans le chat. Ouais, en fait, c'est différence entre Faune IDF et Géonature IDF, et on l'explique sur une de nos pages, donc j'ai mis le lien. Donc, est-ce qu'il y a des formations pour apprendre à alimenter les bases de données Géonature? Ça, c'est pareil, tu y as répondu dans ta présentation, il me semble. Pardon, j'ai pas entendu le début de, Ophélie, enfin, j'ai pas entendu le début de la question. est-ce Ouais. que vous organisez des formations pour apprendre à alimenter les bases de données Géonature? Alors oui, tout à fait. En fait, on a organisé une session là après le lancement de 8 formations. L'idée, c'est que ces formations ciblaient en priorité les structures et naturalistes qui saisissaient beaucoup de données sous Setia Île-de-France pour qu'ils retrouvent leur marque dans l'outil Géonature. On a enregistré une session de formation et donc on l'a mis en ligne sur Géonature Île-de-France. Je vais vous mettre le lien. Et donc l'idée, c'est, Géonature, c'est quand même un outil assez intuitif. Donc l'idée, c'est après cette session de formation que les structures qui ont participé forment ensuite leurs bénévoles, leurs adhérents, etc. Et donc après, on verra, je sais pas, dans 1 ou 2 mois, si vraiment il y a encore de la demande de formation, on pourra en réorganiser de nouvelles. Mais voilà, l'idée, c'est déjà de voir avec la formation enregistrée, avec les tutoriels qu'on va mettre en ligne, voir si du coup les différents producteurs de données s'y retrouvent et sinon on en fera de nouvelles. Je vais vous mettre le lien du coup vers la formation enregistrée. Merci beaucoup. Et alors, on a une des questions sur la réglementation. Je ne sais pas si comment obtenir des actions de protection de l'État lorsqu'on relève, pardon, des destructions d'espèces ou de milieux. Ça, c'est Alors, plutôt Sylvie. je peux répondre. Je Nous, t'en ça nous prie. est pas arrivé, donc nous avons saisi la DRIEHAT, voilà, qui fait un rappel à la loi aux gens qui ont saccagé quelque chose. On a eu le cas dans une ville qui avait décidé de combler une mare. Donc une mare, c'est un habitat d'espèces protégées. Donc nous avions saisi la DRIEHAT, qui leur avait demandé qui leur avait expliqué qu'une mare, ça se comble pas comme ça. Et que il fallait, fallait à minima penser enfin mettre en œuvre des mesures de compensation, voilà. Et puis voilà. Donc moi je saisis la DRIEHAT quand il y a un problème sur des espèces protégées ou sur des zones protégées. Je crois Après, avoir. Oh, pardon. il y a Sylvie, des vas-y. recours aussi possibles après. Je pense que j'ai vu que dans les participants, il y a des gens du Renard, de l'association Renard, qui sont très bien placés sur tout ce qui est recours voilà. Merci. Ophélie, je te laisse reprendre la main. Je crois qu'on a fait le tour en général des questions. Les gens ont répondu directement aussi. D'accord. On a assez Ok. bon. Il y a encore quelques questions dans le Q&A, mais du coup, on va y répondre. Enfin, ouais, parce que du coup, tu coupes direct, Marjo. Faut que j'y réponde tout de suite ou. Ah ben bien sûr que nous, on continue à échanger. Tant qu'on est là, on n'est pas contraint, il n'y a pas de souci.
Du coup, donc tu Il y avait veux des que je... sollicitations par rapport à l'ONF aussi, mais je crois que vous y aviez Ouais, répondu. ça, on y a répondu. Il y a une question dans le Q&A. Comment une commune peut-elle entrer en contact avec les naturalistes confirmés de sa commune qui participe à Vigie Nature? Donc ça, je pense qu'il faut directement contacter les gens de Vigie Nature et en disant quelle commune est concernée. Et eux, ils pourront via la base voir qui fait des inventaires via les observatoires de sciences participatives sur votre commune. Et parce qu'effectivement, il n'y a pas, enfin, au niveau RGPD, il n'y a pas du coup l'affichage des coordonnées de tous les naturalistes qui participent aux observatoires. Donc comme ça, hop, j'ai pas besoin de répondre dans le Q&A. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on aurait oubliés? Ah oui, alors il y avait une question sur PlanteNet, SIC. Sont-ils en lien avec cette base? Donc en fait, PlanteNet n'est pas directement en lien avec Géonat Île-de-France, c'est en lien avec l'INPN, donc dans le cadre du SINP. Donc voilà, quand on saisit dans PlanteNet, ça remonte. Et en fait, avec Géonat Île-de-France, on devient totalement compatible avec l'INPN. Et donc ça va nous permettre de mettre en place un flux automatisé entre l'INPN et Géonat Île-de-France pour les données franciliennes. Et donc ça va nous permettre voilà, d'avoir toutes ces données. Qui viennent de PlanteNet, qui viennent d'iNaturaliste, qui viennent voilà, de toutes ces bases, de remonter directement dans Géonat Île-de-France. Donc voilà, éviter, c'est un des points aussi. Vu la multiplicité des bases, il faut éviter de se dire bah, je vais saisir la même donnée dans trois bases différentes parce que ça va faire voilà, au niveau du SNP plein de doublons. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir sa base de prédilection, d'y saisir ces données et de faire confiance au SNP, de se dire que de toute façon, elle va remonter et qu'elle sera partagée dans toutes les autres. On a une question aussi. Est-ce que l'Atlas de la biodiversité communale est le seul dispositif actuellement accessible aux communes pour connaître l'état de la biodiversité et envisager des actions de protection? Donc, non. Ben, en fait, l'Atlas, ça va structurer la manière dont on va faire, enfin, dont la commune va faire des inventaires sur sa commune. Après, il y a moyen, si on est une commune, de demander des exports des différentes bases, et notamment des exports de Géonat Île-de-France, et de pouvoir faire un premier état de lieu des données qui sont présentes sur la commune, tant du coup, voilà, avant la mise en place d'un ABC. Et puis du coup, bah voilà, on a nous plein d'outils de cartographie qui donnent différentes informations en plus de la donnée naturaliste. Donc il y a d'autres dispositifs. Par exemple, dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique, il a été décliné par commune et vous pouvez aller voir les enjeux sur votre commune sur ce volet-là. Et ça existe sur plein d'autres thématiques. Bon, bah Si je peux super, donc compléter, on a. il y a aussi moyen de passer par l'INPN, dont tu as parlé, l'Inventaire national patrimoine naturel. Il y a un onglet France Outre-mer et métropolitaine. Vous tapez le nom de votre ville et vous avez toutes les données les plus récentes qui sont enregistrées sur le taxon. Voilà, donc très pratique, même si on n'a pas encore d'ABC, hein, Atlas de diversité communale, sur son territoire. Voilà, Fait. Et du l'INPN. coup, téléchargeable via l'outil OpenOps dont j'ai parlé, qui est du coup l'outil de l'INPN pour télécharger directement les données donc publiques et non sensibles. Je vois qu'il y a une question sur la reconnaissance des zones humides dans le chat de l'événement. Effectivement, il y a beaucoup de zones humides qui sont pas répertoriées. Donc, il faut faire une étude. Pour valider le statut de zone humide, soit sur la flore, soit sur la pédologie. Nous, on en a fait une pour faire reconnaître une zone humide qui est maintenant intégrée dans les documents d'urbanisme. Voilà, donc il faut faire une étude. À l'époque, on avait pris une stagiaire qui avait bien fait une étude approfondie sur la question et qu'on avait encadrée. Et voilà, donc. C'est le moyen de faire reconnaître les zones humides. Ah, bah, qui finance cette étude? En l'occurrence, c'était nous. Moi, j'avais noté une autre question, mais ça va être un peu redondant avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui demandait si je saisis des données sur Faune France et sur iNaturalist, n'y a-t-il pas de redondance? En fait, pour le moment, les outils faune ne reversent pas directement leurs données dans le SNP. Il me semble que c'est une donnée par an par commune.
Donc finalement, pour le moment, il n'y a pas de redondance parce que du coup, les spécialistes sont dans le SNP, les données Fall France n'y sont pas, mais on espère peut-être à terme y ait du coup une participation plus grande des outils faune dans le SNP et là, il y aura une redondance. Alors pour le financement des zones humides, faut peut-être essayer de se rapprocher aussi de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Voilà, il y a des années où ça peut marcher, d'autres années où ça peut moins marcher. Voilà, faut essayer. Alors, est-ce que j'avais moi noté une autre question? Pourquoi avez-vous décidé de changer d'outil? En fait, l'idée, c'était avec l'outil Géonature, en fait, Géonature, c'est un outil qui est totalement open source, qui est à la base développé par les parcs nationaux, donc le parc des Écrins et le parc des Cévennes, et qui est utilisé par plus de 40 structures au niveau national. Donc, on a des PNR qui l'utilisent, on a des associations qui l'utilisent, on a des réserves qui l'utilisent, et en fait, il est totalement compatible avec le SINP. Donc, ça nous permettait, d'une part, voilà, de rentrer dans ce réseau, parce que en fait, finalement, ça devient, Géonature devient un peu l'outil majoritaire du SNP. Il y a l'INPN aussi qui l'utilise. Il y a le ministère qui l'utilise dans le cadre d'un truc qui s'appelle Ginkgo. En gros, c'est des plateformes fournies par l'OFB, le ministère, pour les régions qui n'ont pas d'outils, donc qui fournissent Géonature aux régions pour qu'ils puissent mettre leur outil dedans. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir voilà, cet outil qui va être connecté à tous les autres outils et d'avoir voilà, de la donnée standardisée type SINP et puis de bénéficier ben, plein d'évolutions mises en place par cette communauté. Donc voilà pourquoi on a changé. On a une dernière question de Frédéric Brault. Il y a une multitude d'applications, mais quelle serait celle à conseiller aux citoyens dans le cadre d'un ABCI naturaliste? Mais il me semble qu'on a répondu avec l'INPN, mais. Oui, effectivement, il y a des structures qui servent de l'INPN pour bah, la saisie de leurs atlas et qui après demandent des exports. Il y en a qui mettent en place leurs propres outils. Donc j'ai parlé de Géonature Citizen. Donc là, l'idée, ce sera de mettre à disposition des formulaires simplifiés pour que les citoyens puissent saisir. Vous pouvez également utiliser e-Naturalist et e-Naturalist peut vous ressortir les données. Il y en a plein. Eh ben, je crois qu'on va pouvoir. Je vais te laisser conclure, Ophélie, hein. On a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup à nos intervenants, à Lucien, à Xavier, à Sylvie. Ophélie, je te laisse. Oui. D'accord, ben non, ben merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette conférence. N'hésitez pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, ben, à nous envoyer un mail, voilà, enfin un mois et je redispatcherai si besoin auprès de Lucien, Sylvie et Xavier, voilà, pour pouvoir vous répondre par la suite. Et voilà, dans l'utilisation de Géonature de France, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et donc on vous remercie par avance pour toutes vos contributions. Et on espère voilà, vous retrouver sur le terrain pour des inventaires naturalistes et notamment pour si du coup il y a des naturalistes confirmés ici, on organise tous les ans des inventaires éclairs. Et donc cette année, Marjo, du coup, j'ai pas les dates en tête, donc c'est le dernier week-end de juin sur deux communes de Seine-et-Marne. Et donc là, on invite tout le monde à venir ben, voilà, Dans observer la les espèces. commune de Maupertuis, et même ceux qui ne sont pas naturalistes confirmés, au contraire, c'est un moment de découvrir et de partir sur le terrain avec des naturalistes confirmés avec lesquels vous pourrez échanger tout le week-end. Voilà, ben, merci beaucoup à tous et puis ben, bonne soirée.